Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième Bibliogrill. C'est Malik Diallo que nous mettons sur le grill aujourd'hui. Bonjour Malik et merci d'avoir accepté notre invitation. Malik Diallo est directeur des bibliothèques municipales de Rennes et de la bibliothèque métropolitaine des Champs Libres depuis maintenant plus d'un an. Il est également depuis plusieurs années président de l'ADBGV, l'association des directrices et directeurs de bibliothèques municipales et de groupements intercommunaux de villes de France. Une association qui, comme l'ABF, a été sur le front pendant ces 18 derniers mois de crise sanitaire, avec notamment un fort investissement sur l'application des règles sanitaires aux bibliothèques publiques avec le ministère de la Culture. C'est à ce double titre de directeur d'un grand réseau de bibliothèques et de président d'association que nous avons souhaité t'inviter, Malik. Et les questions que je vais te poser, donc, et que vous allez également pouvoir lui poser via Facebook, via Twitter, porteront donc à la fois sur la situation au plan national et sur le cas des bibliothèques rennaises. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, hein, tout au long de l'échange, mais on concentrera, je les synthétiserai à la fin d'un premier échange que nous allons avoir maintenant, Malik et moi. La crise Covid donc, est un sujet bien sûr brûlant, toujours brûlant, avec une actualité qui est vécue douloureusement par les bibliothèques publiques encore aujourd'hui. Hein, c'est notamment celle de l'obligation du contrôle du pass sanitaire à laquelle elles sont soumises, et qui a forcément un impact sur leur activité. C'est donc une période teintée d'incertitudes, de difficultés, mais aussi porteuse de perspectives que la crise a révélées, comme le montrent d'ailleurs les résultats tout récemment publiés ces jours derniers du questionnaire envoyé par l'ABF hein, aux bibliothécaires intitulé « L'impact de la crise sanitaire sur les bibliothèques » qui évoque la crise comme aussi un catalyseur d'innovation et d'évolution du métier. Mais dès à présent, pour commencer, je souhaiterais t'interroger, Malik, sur, on va dire, si je puis me permettre cette expression, l'état des troupes, le moral des bibliothécaires aujourd'hui. Que perçois-tu en tant que président de la DBGV? Est-ce que le maintien de l'ouverture des bibliothèques depuis juin 2020 en continu, sauf le mois de novembre et tout au long des phases postérieures de crise, est vécu comme une source de fierté ou comme une pression face aux risques sanitaires? Y a-t-il un effet de lassitude face à la succession des règles ou constate-t-il au contraire une bonne capacité d'adaptation et quel est l'effet du pass dans ce contexte? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette proposition. Alors oui, le moral des troupes, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut se le dire, c'est une période compliquée quand même pour les bibliothèques, mais je dirais assez contrastée. Alors effectivement, dans la partie un peu négative, un peu compliquée, difficile qu'on a en ce moment, il y a effectivement le fait de sortir de plusieurs mois, voire années de crise avec cette succession de protocoles d'adaptation. Donc, il y a tout simplement une fatigue aussi d'avoir su adapter les bibliothèques en permanence. Je pense qu'il y a dans les points un peu compliqués, il y a aussi cette mise en place du pass sanitaire qui, quand même, on le voit, hein, ça a suscité beaucoup de contestations. Il y a des mouvements de grève dans différentes bibliothèques. Je pense que la difficulté qu'on a là-dessus, c'est le conflit de valeurs professionnelles que ça peut induire chez beaucoup de collègues sur, on met beaucoup de notre investissement dans l'ouverture à tous de la bibliothèque. Et là, on a ce frein à l'entrée qui pose une sorte de conflit de valeurs. Alors qu'on peut néanmoins essayer de résoudre du mieux qu'on peut et avec les moyens qui sont les nôtres en se disant que l'important, c'est d'ouvrir la bibliothèque et qu'aujourd'hui, du coup, c'est la condition pour le faire, même si elle est assez coûteuse.
et essayer de faire avec ça. Et je pense que dans le point un peu aussi de difficulté qui peut expliquer un moral variable en ce moment, c'est aussi cette oscillation entre une grande visibilité des bibliothèques dans le discours politique et en même temps une invisibilité à certains endroits. Là, on peut penser sur la dernière enquête des pratiques culturelles du ministère de la Culture où il n'y a pas les bibliothèques. Bon, puis sur toute la communication qu'on a tous vécue au moment de la crise sur est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on est fermé. Ah, super, les bibliothèques ont rouvert, mais en fait, non, elles l'étaient déjà. Donc ça, c'est, voilà, ça, je pense que c'est assez difficile à vivre pour pas mal d'entre nous. Enfin, voilà. Et en même temps, il ne faut pas qu'on se... Il faut qu'on se dise que c'est quand même une période transitoire. Enfin, voilà, qu'on s'installe. On va essayer de ne pas s'installer trop là-dedans et essayer de s'accrocher à ce qui nous porte et voilà, et à la visibilité qu'on peut avoir par ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation rennaise de ce point de vue, de la manière dont éventuellement les agents ont été accompagnés pendant cette période? Est-ce que c'est différent entre la bibliothèque des champs libres et les bibliothèques du réseau, les bibliothèques de quartier? Qu'avez-vous mis en place pour informer, accompagner les agents? Tout au long de la crise, il y a eu effectivement, comme dans beaucoup de bibliothèques, beaucoup de protocoles de mise en place qui ont été mis souvent en place assez rapidement. Donc, on a essayé de le faire, d'être le plus souple et le plus pragmatique possible pour qu'on fasse des choses les plus sensées possibles. Là, pour vous dire, par exemple, sur la mise en place du pass sanitaire, à l'échelle rennaise, on voit bien les différences qu'il peut y avoir aussi entre des grosses bibliothèques et des petites sur les difficultés que ça peut mettre en place. Parce que nous, on a les deux à Rennes. Par exemple, le pass sanitaire à la bibliothèque des Champs Libres est quelque chose de plus simple, parce qu'on a une personne à l'entrée d'un gros équipement qui gère cette partie-là, et ça devient beaucoup plus compliqué dans des petites bibliothèques de quartier, dès qu'on est 2, 3, 4, 5 agents. Du coup, on a dû. Là, c'est eu un vrai impact sur la politique d'accueil, parce qu'on a dû ajuster nos postes d'accueil, c'est-à-dire diminuer à certains endroits des postes d'accueil pour permettre de dégager des collègues sur cet accueil pass sanitaire. Donc voilà, donc ça déplace un peu nos fonctions d'accueil et voilà, et donc ça se fait de façon très différente selon les types de bibliothèques. En interne, j'ai envie de dire les moyens à mettre en place. Enfin, en tout cas, nous on a fait un peu comme ça, c'est d'essayer de pouvoir en discuter au maximum, même si on est toujours sur des temporalités qu'on maîtrise plus ou moins pendant la crise. Mais d'en discuter, nous on a essayé de mettre en place autant que faire se peut des forums entre nous pour pouvoir échanger sur toutes ces contraintes. Et pouvoir résoudre, on va dire, à la fois les contraintes très pragmatiques, qu'est-ce qu'on fait pour tel accueil de classe, de groupe, pour telle demande, et puis pouvoir en discuter aussi entre nous de comment on peut faire les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce débat-là sur le pass sanitaire, c'est un débat aussi politique qui est important, qui circule aussi beaucoup dans la profession. C'est bien qu'on en discute aussi entre nous. Et d'essayer de faire la part des choses entre ce dont on discute et ce qu'on doit appliquer, parce que c'est notre collectivité qui nous a demandé de le faire comme ça, et parce que c'est la condition pour ouvrir les bibliothèques, quoi. Voilà, donc c'est, je pense que c'est beaucoup de temps de discussion en interne, et ça, c'est important, et c'est plutôt précieux qu'on arrive à bien échanger là-dessus dans les bibliothèques en général, quoi. Tout à fait. Je crois comprendre aussi que, je sais que d'autres problèmes sont venus s'ajouter, un autre problème majeur est venu s'ajouter à cette crise sanitaire à Rennes, qui est celui de grève liée au changement de conditions horaires pour les agents. Oui, et ben ça, on a effectivement, on est en plein mouvement social, nous, actuellement, dans les bibliothèques de Rennes. Donc ça, c'est pas lié directement à la crise, c'est vraiment sur des questions d'organisation du temps de travail dans la collectivité. Mais du coup, effectivement, ça rajoute des complications pour tout le monde, et surtout dans la... Parce que du coup, les bibliothèques sont très souvent fermées là, les week-ends. Dans la relation publique, etc., ça rajoute effectivement un élément de complication et de tension sur une période de fin de crise qui est compliquée pour les bibliothèques. Bien sûr. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question des effets persistants, on va dire, de la crise, ou qui peut-être s'atténuent un peu en matière notamment de fréquentation. Est-ce que vous constatez toujours une fréquentation diminuée, on va dire, par rapport à l'avant-crise, par rapport à 2019 à Rennes? Est-ce que tu as des retours aussi au plan national sur la fréquentation aujourd'hui?
Oui, globalement, on a une fréquentation qui a quand même bien baissé depuis. Alors, les ordres de grandeur, c'est entre moins 30, moins 40% sur la plupart des bibliothèques. Là, je parle un peu au national, des retours qu'on a depuis l'avant-crise. Après, on sent quand même qu'il y a une reprise là qui se fait un peu comme dans pas mal d'endroits, mais qui est effectivement freinée par cette contrainte du pass sanitaire. Donc, alors. Annonce selon les publics, parce qu'on voit des fois certains publics qui reviennent. Ça, moi, j'ai plusieurs témoignages de collègues qui disent, par exemple, le fait d'avoir le pass et d'avoir cette espèce de label de sécurité sanitaire, on va dire, dans la bibliothèque, rassure certains publics qui reviennent. Peut-être plutôt des seniors, en tout cas, dans les témoignages que j'ai eus. Par contre, on a aussi toute une partie du public qui ne revient pas. Alors, pour tout un tas de raisons. Alors, il y a ceux qui n'ont pas le pass sanitaire, qui ne souhaitent pas revenir, ou des phénomènes où, vous savez, quand vous avez des ados qui viennent à plusieurs et que il y en a qui peuvent rentrer, pas d'autres, bah, du coup, voilà, on a des publics comme ça qui s'en vont. Et puis, on peut avoir des publics aussi qui ne reviennent pas. Et ça, je dirais, c'est peut-être sans doute plutôt un point commun avec les autres équipements culturels, là, dans les arts vivants, le spectacle vivant, etc. Les cinémas, c'est la reprise d'un quotidien culturel qui ne se fait pas, ou qui n'est pas encore réactivé. Donc là, nous, ça nous pose plus des questions pour la suite, en tout cas dans les enjeux à relever, de se dire comment faire revenir ces publics-là. Voilà, en termes de fréquentation. Après, c'est assez contrasté, là aussi, en tout cas, nous, ce qu'on voit à Rennes sur les différentes bibliothèques, vous avez des. Bon, sur les champs libres, il y a quand même une fréquentation qui reprend tout doucement. La reprise de l'action culturelle, par exemple, aide quand même à retisser des liens, à faire revenir des publics dans nos murs. Mais on a des situations, oui, très inégales selon les tailles et les types de bibliothèques. Et on voit bien, en tout cas, qu'il y a une partie du public qui n'est pas revenue. Et voilà. Est-ce que ça s'illustre aussi au plan de la composition, on va dire, socio-économique du public? Est-ce que les publics les moins favorisés sont moins présents, par exemple? Est-ce que la fonction de lien social, est-ce que tu considères que la fonction du lien social est mise à mal en ce moment? J'irai Et pas jusque. d'inclusion? Oui, alors on n'a pas d'études encore très précises sur qui revient pas, etc. Mais en tout cas, moi, de ce que je peux observer ici, on a quand même des publics qui utilisent, on va dire, la fonction de bon, c'est dur de l'exprimer sur juste une fonction, mais je sais pas, sur tout ce qui est accès aux postes informatiques, sur tout ce qui est inclusion numérique, accès à des services vraiment de proximité, etc. On a un public qui revient quand même là-dessus. Et voir qu'il n'a pas quitté les bibliothèques. C'est-à-dire, quand on était ouvert en service minimum, c'est des choses qui fonctionnaient beaucoup. Au champ libre, on a l'espace vie du citoyen, où, voilà, qui correspond à ces espaces-là et où on a toujours du public qui vient et qui est toujours venu quelque part, avec des moments différents quand même. Donc, bon, ce sera quelque chose à mesurer. Là, je pense pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. On retrouve quand même j'ai envie de dire, du lien. Je pense que là, c'était vraiment le rôle d'action culturelle, de service, d'accueil des groupes qui permet de faire revenir des publics aussi qui viennent de façon en groupe constitué, que ce soit pour des ateliers de langue, ou des fois par des associations. On a des associations ici qui accueillent des migrants, qui accueillent voilà, des personnes. Voilà, même des fois pour des animations, simplement. Mais voilà, le fait de pouvoir revenir en groupe permet quand même de faire revenir un certain nombre de publics qu'on avait quand même perdu vraiment, parce qu'à un moment, c'était très compliqué. Vous savez, on n'était pas plus de 6 là, dans les bibliothèques. Le fait de pouvoir reprendre des concerts, etc., c'est des choses qu'il faut quand même revenir un peu les gens. Voilà, donc ce sera quelque chose à analyser peut-être plus finement, ça, dans les mois qui viennent. Pour l'instant, un peu sec. Et de ce point de vue-là aussi, accueil de groupe et action culturelle, est-ce que les partenaires, vos partenaires traditionnels, sont toujours au rendez-vous? Vous êtes de nouveau très sollicité par tout l'écosystème associatif, etc. Oui, on a des sollicitations d'assos, de partenaires, même sur des nouveaux partenariats ou sur l'organisation Rennes, de festivals, voilà, donc ça reprend. Et on sent que ça reprend même petit à petit dans les directions de quartier, dans nos partenaires sociaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se remet progressivement en place. Après, là-dessus, là, bah, nous, c'est plutôt nous qui, après, régulons en fait ce genre de choses en disant est-ce que là, on peut, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'on a essayé, par exemple, sur la politique d'action culturelle, on essaye de maintenir un régime soutenable, en fait. Parce que du coup, on a quand même des nouvelles contraintes
pour accueillir le public, avec cette question du pass sanitaire qui est en fait quand même coûteuse en temps humain qu'on passe pour faire ces contrôles à l'accueil des bibliothèques. Donc, c'est du temps qu'on ne peut pas mettre ailleurs pour l'instant. Donc, on a dû un peu réguler les choses pour que ce soit soutenable en fait, pour tout le monde, quoi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on est quand même encore beaucoup occupé par ces fonctions-là. Alors là, moi, je pense aux fonctions du pass sanitaire sur une petite bibliothèque, ça a tout de suite un impact fort. Donc, quand on a un besoin, par exemple, d'accueillir une animation, on a besoin d'avoir des collègues qui s'en occupent plus particulièrement, qui du coup ne peuvent pas être dessus. Donc, on a besoin de renforts sur l'accueil pass sanitaire. Enfin, bon, c'est des questions très logistiques, très pratiques. Mais voilà, donc il faut qu'on doit quand même un peu doser les gens, envie de dire. Mais on essaie de reprendre les choses quand même progressivement. Quelques questions maintenant sur ce que la crise a, les leçons qu'on peut d'ores et déjà tirer sur ce que la crise a changé ou est en train de changer dans votre fonctionnement à Rennes et dans le fonctionnement des bibliothèques en général. De nouvelles modalités d'action ont été expérimentées, notamment une présence en ligne beaucoup plus forte. Il y a eu aussi le click and collect qui a été une nouvelle pratique assez généralisée. Est-ce que, à Rennes, vous avez mis en place de nouveaux services, de nouvelles façons de travailler? Et est-ce que, au-delà de ça, vous allez garder certaines modalités d'action expérimentées pendant la crise? Oui, par exemple, sur le click and collect qui a été mis en place. Si, c'est prêt à porter dans les bibliothèques. C'est un service qu'on a gardé. Alors, pour l'instant, il n'est pas surutilisé. On ne communique pas spécialement dessus, mais il reste possible. Et on verra par la suite si c'est quelque chose qu'on réactive de façon plus ample, plus volontariste, j'ai envie de dire, ou pas. Mais ça fait partie, effectivement, des services qui ont été maintenus. Puis, je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir maintenu ça. Dans les services un peu aussi qui sont peut-être nés de la crise, je pense qu'il y a quand même globalement quelque chose autour de la production en ligne, en tout cas notre capacité à produire des choses, des contenus pour le web ou à restituer des actions culturelles ou des médiations qu'on conçues en présence, en format mixte, j'ai envie de dire, sur place et sur le web ou que pour le web. À Rennes, je ne sais pas, il y a eu des petites expérimentations qu'on a faites. Par exemple, il y a eu le festival Jardin d'hiver au Champ Libre qui a été fait entièrement en ligne l'année dernière, au mois de janvier. Côté petite enfance, on avait un festival qui s'appelait Graines de Livres, qui a été là aussi, où il y a eu des propositions culturelles en ligne. Donc ça, c'est des choses où je pense qu'on a tous progressé là-dedans. Donc la démonstration, c'est quand même comme l'agilité des bibliothèques et tous les bibliothécaires là, pour inventer des choses. C'est quand même, je pense, la leçon. On le savait déjà, mais là, on a quand même eu un condensé accéléré en un an et demi de la capacité à inventer, à faire et être réactif pour maintenir des services et en inventer d'autres avec à chaque fois des contraintes différentes. Ça, je pense que c'est quand même un point positif qui explique aussi la fatigue peut-être qu'il y a en ce moment de se dire, mais voilà, tout ce qu'on a dû adapter maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur ce qu'on était avant? Est-ce qu'on garde tout ça? Est-ce qu'on a les moyens de les garder? Parce qu'on est toujours assez sur le fond, on y croit, on a envie, mais on sait qu'on ne pourra pas tout faire. Donc, je pense que là, on est dans une période un peu où il faut recalibrer un peu les choses. Je t'interromps. Est-ce que tu as le sentiment que le regard, de ce point de vue-là, du public a peut-être changé sur la bibliothèque, sur sa capacité, par exemple, cette capacité à exister en ligne bien sûr, il y avait déjà une présence en ligne, mais en tout cas, des événements live culturels, ça, ce n'était pas du tout dans les pratiques professionnelles. Ça a rencontré son public, vraiment, et ça. Vous avez eu une fréquentation en ligne importante? Très variable selon les types de propositions. Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'on les compare aussi à des propositions qui étaient sur place. Je ne sais pas si je pense à un festival comme Jardin d'hiver, qui rassemble énormément de monde sur place. Quand on compare avec la proposition en ligne, on peut se dire, est-ce que c'est moins bien, etc. C'est un public différent dans un contexte différent. Moi, je pense que ce que la crise a montré, en tout cas dans le rapport au public avec les bibliothèques, ça ne se joue pas que sur la partie en ligne, justement, mais aussi sur la réouverture qui a eu lieu dès novembre de l'année dernière, qui était de dire la capacité à garder le lien, en fait, à garder ce lien-là avec le public sous des formes différentes. Alors, en ligne, quand même, je pense qu'on a eu une visibilité qu'il n'y a pas eu, notamment sur toutes les ressources numériques, on va dire, tout ce qu'on peut proposer sur en termes de médiation, de contenu accessible en ligne. Je pense que ça a été une vraie visibilité de dire, mais en fait, quand vos locaux sont fermés,
Votre bibliothèque, elle existe encore et il y a du monde au bout du fil. Quand je pense, je sais pas, des propositions qui ont pu être faites d'actions culturelles au téléphone, en ligne, et il y a du monde dans les... C'est-à-dire que vous continuez à accéder à des contenus culturels, et ça, c'était pas si clair pour nos usagers. Et puis, sur place aussi, enfin, on a eu quand même beaucoup de témoignages de publics qui ont remercié, je pense, dans beaucoup de bibliothèques, de dire ben, merci d'être ouvert. Vous êtes le seul lien avec autre chose que... mon quotidien, etc., actuellement pendant la crise. Enfin, ça, il y a eu quand même beaucoup de témoignages de soutien, de merci d'être là, merci d'être ouvert, même quand on était simplement sur du click and collect. Quoi. Cette capacité à garder le lien et à garder aussi une forme de rapport presque individualisé aussi avec les gens, pouvoir, voilà, d'avoir un humain au bout du fil. Vraiment, je pense que ce truc-là est apparu de façon encore plus nette pendant la crise. Et c'est je pense, un très fort et une vraie qualité des bibliothèques de garder ce lien humain. C'est-à-dire qu'on rentre dans une bibliothèque, il y a quelqu'un à qui on peut parler, que ce soit pour une question pratique ou pour une question de fond, ou une question pour un contenu culturel. Ça, c'est une vraie plus-value, je pense, des services publics de bibliothèques. Et là, ça s'est bien vu aussi pendant la crise, cette capacité, je pense, à garder le lien. Voilà, et puis dans les points, quand même, là, si on élargit un peu la focale, cette capacité globale à s'adapter. Et alors, c'est là qu'on est plus sur un terrain ambivalent parce que, à la fois, ça a été reconnu, je pense, au niveau national. Quand on écoute pas mal d'élus, etc., ça a été vu, ça a été... On a dit quand même, les bibliothèques ont été essentielles, etc., et on les a maintenues ouvertes. Ça, je pense qu'il faut quand même pas qu'on l'oublie parce que ça peut être masqué par tout un tas de trucs qui paraissent complètement incohérents avec ça, effectivement, il y a une partie sur le pass sanitaire, sur la communication aussi qui a pu être faite autour des bibliothèques, en disant on communique pas sur le fait que les bibliothèques sont ouvertes parce que les autres sont fermées, les autres acteurs culturels. Enfin, tout ça semble très incohérent, mais quand même, les bibliothèques ont été ouvertes et on voit bien là, à l'occasion de la loi bibliothèque, par exemple, toutes les paroles politiques qu'il y a pu avoir aussi sur ça à l'Assemblée. Je pense quand même que ce rôle-là, il est quand même compris et perçu. On est dans cette drôle de période-là où on a cette appropriation dans le discours politique de l'utilité des bibliothèques comme point culturel de proximité essentiel et en même temps ces éléments de contre-performance, j'ai envie de dire, où on est, où on passe entre les radars, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu jonglés entre les deux, c'est un peu déstabilisant quelque part, je pense, pour tout le monde. J'ai une question qui fait un petit peu la boucle avec la question de départ, qui est, malgré la vitalité des bibliothèques pendant cette période, n'y a-t-il pas un risque d'épuisement et d'aller vers un service minimum ? Est-ce que le manque de reconnaissance qui est perçu parfois peut amener à une certaine forme de renoncement ? Est-ce que tu constates ça ? Oui, bah ça c'est le risque. C'est le risque de la période qu'on vit, où on se dit… Finalement, on a fait tout ça, mais est-ce que les gens ont bien vu que c'était fait et que ça a été reconnu et du coup, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, il y a une forme d'épuisement et de fatigue à se dire, mais en fait, toutes ces évolutions-là n'ont pas été reconnues ou ne sont pas comprises. Et c'est là que je pourrais essayer de nuancer, ce qui, je pense, n'est pas complètement vrai. Mais on a des signaux contradictoires. Donc, c'est sûr que si on se focalise sur les signaux négatifs, on peut se dire, mais c'est complètement déprimant. Et en fait, à quoi bon ? Enfin, voilà, je pense qu'on peut tous passer par là. Bon, j'essaye de dire qu'il faut aussi se raccrocher au positif pour qu'on essaye d'aller de l'avant. Alors, pour éviter cette espèce d'épuisement, de se dire, bon, ça ne va pas et à quoi bon ? Je pense qu'il faut qu'on se projette aussi sur quelque chose de plus long et qu'on se donne le temps. Qu'on se dise pas. Alors, il y a toujours une forme d'urgence, c'est-à-dire là, voilà, on a un public qu'on a perdu, qui vient pas. On est encore dans une phase un peu trouble. On n'a pas complètement tous nos moyens parce qu'on doit mettre des moyens sur des choses qu'on faisait pas avant. Donc, on se dit, voilà, falloir réinventer encore autre chose pour aller chercher nos publics dès l'année prochaine, etc. Ça, c'est une forme d'urgence qui peut-être nous met aussi un peu la pression. Et quelque part, c'est un peu nous mettre la pression de faut qu'on revienne à 2019. Pour qu'on retrouve tous nos repères.
Et ça, ça peut être effectivement un peu stressant. Je pense que c'est un peu la période là. Après, on peut aussi essayer de se projeter un peu plus sur un temps un peu plus long. En tout cas, je pense que c'est intéressant sur ce genre d'échange de se projeter là en se disant la vraie question à laquelle on doit répondre, c'est en quoi une bibliothèque peut être utile dans un monde post-crise avec les différents symptômes et effets et conséquences de cette crise, quoi, en termes de précarité d'un certain type de public, d'évolution des pratiques culturelles. Là, je sais pas, la crise a quand même a fait un gros focus sur les pratiques numériques. Ce qu'a montré l'enquête ministère culture, c'est quand même il y a encore une grosse consommation, on va dire, culturelle par le numérique, qui joue plutôt en défaveur, en peut-être des cinémas, voilà, d'autres formes de culture. Mais en tout cas, nous, qu'on en tienne compte, de se dire comment on peut... on est dans une société qui demande de plus en plus de liens, et en même temps, on a ces contraintes sanitaires, on veut du présentiel et en même temps, on consomme beaucoup en numérique. Enfin, en fait, c'est plutôt de se poser les questions par ce biais-là, j'ai envie de dire, sur l'évolution des pratiques culturelles post-crise et les nouveaux besoins de société, en termes de débats, je sais pas, sur l'information, sur, enfin, tout ça sont des sujets qui restent d'actualité, en fait. Et de se dire en quoi la bibliothèque va être utile et va pouvoir répondre à ça, mais en se projetant, on va dire, sur les 10 prochaines années, quelque part, pour se dire comment est-ce qu'on ajuste nos services par rapport à ça. Pour ne pas être juste dans « faut qu'on fasse un gros plan de com' l'année prochaine pour faire revenir des gens ». Très concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose, un exemple, tu pourrais nous donner quelque chose que tu rêves ou que tu envisages de mettre en place de nouveau ? Eh bien, alors moi, je n'ai pas de projet tout préconçu, mais une des questions qui se pose beaucoup, par exemple, c'est on se dit « le public revient moins dans les murs. Du coup, est-ce qu'il faut faire plus dehors les murs ?» Et alors ça, c'est une vraie question de fond. On a tendance à dire, bah oui, il faut peut-être qu'on aille chercher le public là où il est et qu'on travaille de nouvelles formes de médiation. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Du coup, est-ce qu'on remise sur refaire venir les gens dans nos locaux ? Est-ce qu'on se dégage des moyens pour aller à l'extérieur ? Et en ce moment, c'est un peu stressant, entre guillemets, parce qu'on est coincé, parce qu'on voit bien que... on est contraint sur cette histoire de passe sanitaire, que voilà, qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller hors les murs, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Là, je pense que c'est le bon moment pour y réfléchir et de se dire où est-ce qu'on va chercher les publics. Moi, j'ai envie de dire, là, le chantier, nous, qu'on va essayer de. Je pense qu'il faut ouvrir maintenant, c'est ça, c'est de réfléchir entre collègues, comme on l'a fait pendant la crise, en mode un peu à l'arrache, parce qu'il fallait faire ça très vite. Et de se dire, OK, là, on voit des nouveaux enjeux. Qu'est-ce qu'on a compris des besoins, des attentes des publics et comment on va essayer d'y répondre? Et ça, je pense que c'est... Alors, à la fois, c'est des nouveaux défis, c'est toujours de la capacité d'adaptation, etc. Et en même temps, pour moi, c'est la vraie expertise des bibliothécaires. Enfin, c'est ce qu'on sait faire. Et parce qu'on a nos antennes quand même dans la société, auprès de plein de partenaires, auprès des gens qui viennent, qu'on voit, et de se dire, voilà, comment on va ajuster nos services là-dedans. Et à la fois, ça crée de l'insécurité, et en même temps, c'est le cœur de notre mission, et c'est aussi une stimulation positive pour repasser en mode création de services, invention et nouvelles relations avec le public. Je sais pas, par exemple, sur le rapport individualisé avec le public, je trouve que ça s'est beaucoup vu pendant la crise. Nous, il y a eu beaucoup de développement de services comme ça, sur l'accompagnement informatique, sur l'accompagnement à la vaccination, par exemple. On a fait un service comme ça, de l'aide à la prise de rendez-vous. On voit bien qu'il y a un rapport différent ça, avec le public qui peut être creusé. Une dernière question parce que le temps presse. En termes de management, là, par rapport à ta fonction de directeur, est-ce que la crise a modifié ta manière d'accompagner, de piloter les équipes et si oui, comment ? Je pense que la grosse modification et ce qu'on est en train de commencer à retrouver, c'est qu'on ne pouvait pas se voir facilement. Enfin, c'est très bête, mais toutes ces visios, cet éclatement, les questions des gens qui étaient en télétravail, pas sur site, etc. On a un besoin de se retrouver quand même en équipe, je pense, beaucoup plus. À l'échelle, là je parle vraiment à l'échelle d'un réseau, parce que les collègues se voient dans leur bibliothèque, sur des petits collectifs, mais je pense qu'à l'échelle en tout cas d'un réseau comme Rennes, on a un besoin de retisser cette façon de travailler ensemble, post-crise, en intégrant ces nouveaux outils, en fait, se dire en quoi la visio ça peut être un vrai bon outil pour créer beaucoup plus de liens, mais où on le met, là,
et de se remettre d'accord sur ça, en fait, sur nos manières de fonctionner. Où est-ce qu'on utilise la visio? Où est-ce qu'on utilise le télétravail? Où est-ce qu'on utilise les temps collectifs et pourquoi faire, etc. Donc ça, je pense qu'on a ce besoin-là. Donc j'ai envie de dire, la façon de travailler ça, c'est vraiment, enfin, c'est en ce moment de se reposer ces questions en équipe, en fait, collectivement, et de se dire comment on les traite. Je dirais que c'est plutôt ça. Après, sur le management global, le pilotage des bibliothèques, je pense que c'est de tenir compte quand même du contexte qui est compliqué un peu pour tout le monde et de se donner le temps, ce que je disais tout à l'heure, pour retravailler des projets, pour réinjecter du projet aussi, de se remettre en mode projet, on avance et on essaye de ne pas se faire avaler dans le vortex des contraintes, voilà. Mais en même temps, les contraintes sont là, donc faut en tenir compte. Voilà, j'ai envie de dire, c'est d'être patient et d'y aller doucement collectivement pour qu'on prenne le temps d'inventer ensemble et de sortir en fait collectivement petit à petit de la crise. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut être dans une période un peu charnière où on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Est-ce qu'on va devoir tout refaire à zéro et ça peut mettre une forme de pression alors qu'on n'est pas encore complètement outillé pour. On est vraiment effectivement dans une période de convalescence. Merci beaucoup Malik, on est déjà à la fin du temps qui nous était imparti. Donc merci à toi, merci aussi à la régie technique qui a assuré le moyen de cette captation, au service communication, à la délégation de la coopération de la BPI. Je signale que cette rencontre, ce bibliogrill, fait écho à un webinaire de la section bibliothèque publique de l'IFLA qui a lieu demain. Donc ceux d'entre vous qui comprenez l'anglais, je vous encourage vivement à vous y inscrire. Le lien se trouve sur la page de ce bibliogrill sur BPI Pro. Donc le titre de ce webinaire est Public Library Responding in Times of Crisis. Donc c'est vraiment le même sujet avec notamment un chercheur en sciences de l'information américain très connu, David Lynx, très intéressant, et la directrice des bibliothèques de Toronto. Donc je vous encourage à vous connecter à 15h demain. Et merci encore Malik et merci à tous pour votre présence. Et à bientôt pour un nouveau bibliogrill.